Ah, ça marche pas, évidemment, à cette distance-là, ça peut pas. Oh, le super, incroyable. Oh, non, j'ai raté. Ah, je suis fier de non, mon esquive. Non, j'ai raté mon super. Non, j'ai mis de partir en deux. Non. C'est du racisme, la console est raciste. Non, racisme. Ah, tu une fois de plus, l'homme blanc a truqué les cœurs pour gagner grâce au noir. Vous vous rendez compte? C'est le retour du racisme. Mais Ken n'est pas noir. Oui, bon, Ken n'est pas noir. Mais. On s'en fout, c'est l'idée. T'as compris l'idée? D'accord, j'ai compris l'idée. C'est pas mal, cette petite carte. Tu t'y attendais pas, celle-là. Non, mais il y a des gars en live, là, quand tu joues en ligne, il y a des mecs, à partir du moment où tu prends un coup, tu prends un combo, quoi. Il y a des gars, ils sont au RSA, hein, c'est ça aussi. C'est mon lot de consolation, je vous dis, le gars il est en galère. Il a pas de vie. Il est fort à street, mais il a pas de meuf et il se branle. Pardon, je l'ai dit là, c'est filmé. Dit, mais... C'est filmé là. On a une chaîne jeunesse. Voilà. Oh, tu dis donc quoi, les jeunes jouent pas avec leur zizi, c'est ça que t'es en train de me dire, hein? Et tu me dis qu'à 15 ans, on joue pas avec son zizi, c'est ça que t'es en train de me dire? Je sais pas si tu connais les brèves de comptoir, c'est un mec qui passait son temps dans les bistrots à écouter ce que les gens disaient, et il y a un mec qui dit. À 16 ans, la meilleure console de jeu, c'est ta bite. Eh ben voilà. J'adore. J'aime beaucoup tes grèves de comptoir. Ah, c'est génial. Tu adorerais.